Mes amis, bien le bonjour. J'aurais voulu faire un live, mais les conditions techniques ne s'y prêtent pas aujourd'hui. Je voulais vous montrer quelque chose. Regardez, j'ai reçu une boîte par FedEx. Elle vient des États-Unis. C'est ça, une grosse boîte noire, assez lourde en fait. Donc, j'ai pas voulu l'ouvrir. Vous voyez, elle est toujours fermée. J'ai pas voulu l'ouvrir. Je me suis dit, la moindre des choses, c'est de vous montrer le contenu. Je suis très impatient de voir ce qu'il y a dedans. Ça vient de YouTube, alors je vais essayer avec les clés, je vais essayer de casser cet adhésif. Voilà, je crois que c'est fait, hein, ça va assez lourd. Voilà, je vais l'ouvrir et je vous montre. Non, ça ressemble à ça au départ, hein. Tu as une sorte de mousse noire comme ça. Et puis sous la mousse, il y a une lettre. Voilà, il y a une lettre d'une certaine Suzanne Vujo, si qui. Bon, j'arrive pas trop à prononcer le nom correctement. Donc, il y a une lettre. D'accord? Il y a une lettre de YouTube me disant félicitations pour 100 000 abonnés. Voilà. Et puis, il y a quelque chose d'autre. Il y a ça. Voilà, il y a ça. Attendez, je vais le sortir. Je vais le sortir. C'est ça. Vous voyez ça? C'est une sorte de. Attendez, je vous mets le plastique. Alors, c'est très dur à filmer parce que ça réfléchit beaucoup. D'accord? Ça réfléchit beaucoup. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce qu'ils ont gravé ici. Okay. Voilà, donc c'est écrit présenter Aldostérone pour les 100 000. Pour les 100 000 abonnés, puis il sort de petits miroirs ici, n'est-ce pas? Vous pouvez voir, hein? D'accord. Donc c'est ultra sympa. Voilà, je voulais vous remercier. Alors le prochain, c'est semble-t-il, le prochain, il est doré. Bon, voilà, hein, il va falloir travailler encore pour le prochain parce que il semblerait qu'il faut attendre 1 million d'abonnés. En tout cas, je voulais vous remercier depuis cette voiture et d'autres voitures, pas celle-là seulement. Depuis cette voiture. Ça fait plus que 10 ans que je vous parle maintenant. Ça fait plus que 10 ans que je partage et que vous êtes là. Ça fait combien de temps que je partage? Je me rappelle plus. Ça fait hyper longtemps. J'ai des gens des fois qui m'écrivent, qui me disent, je t'écoutais, j'avais 12 ans à l'époque, et puis aujourd'hui j'ai 22 ans, etc. Donc des fois j'ai des messages comme ceci. C'est assez terrifiant, ça rajeunit personne. En tout cas, merci d'avoir été là. Invariablement, vous savez, sur les 10 dernières années, j'ai forcément changé. Je suis plus la même personne. Vous continuez à me suivre, mais vous avez changé vous aussi. C'est normal. C'est inévitable en fait, à force d'être exposé à la réalité, à force de réfléchir, de partager, d'échanger, puis vieillir aussi, hein, à force des années. Peut-être c'est des fois c'est la sagesse qui vient en fait. Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir été là tout le long de ce chemin. On va continuer, c'est pas fini, hein, on va continuer. Merci à ceux qui me suivent sur mon canal Aviation. Vous êtes déjà un peu plus de 21 000 abonnés aujourd'hui. J'ai à peu près 2000 abonnés de plus par mois sur ce canal. Et ce qui est extraordinaire sur le canal Aldo Aviation, c'est qu'il y a énormément de professionnels. Des pilotes, des contrôleurs, des ingénieurs de vol, des hôtesses de l'air, des responsables d'aéroclubs, des pilotes d'aéroclubs, des pilotes d'ULM, de planeurs, tout ça. Franchement, c'est extraordinaire le nombre de personnes qui viennent, la communauté qui s'engage autour de ce contenu que je pousse assez pour qu'il soit le plus technique possible. Et puis, ben voilà, ce YouTube fait partie de ma vie aujourd'hui. Vous savez, des fois ma fille, elle regarde et puis elle tombe sur mes vidéos. Elle me dit, ah, papa, tu es à la télé, hein, regarde, il y a toi qui parles depuis la voiture. Des fois, elle commente même, elle me dit, regarde, il y a mon ami là qui est derrière. Là aujourd'hui, bon, je sais pas comment il s'appelle, Marshall, celui-là, je crois, c'est Power Patrol. Power Patrol et Peppa Pig qui font partie de notre vie aujourd'hui. Voilà, des moments, des hauts, des bas, beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses sont passées ces 10 dernières années et beaucoup d'autres vont se passer. J'ai l'impression que beaucoup plus encore vont se passer dans les prochaines années à la vitesse à laquelle l'histoire est en train de s'accélérer. En tout cas, merci d'avoir été là et puis
Je tenais à vous le montrer parce que cette récompense, c'est vous qui me l'avez offerte et je tenais à l'ouvrir en votre présence. Merci encore et à la prochaine fois.